maison de l'artisanat à Benikhdej. Elle a été créée en 2009, juillet 2009, inaugurée en juillet 2009. Il s'agit d'une maison qui groupe 6 ateliers de maison de l'artisanat. Ce n'est pas 6 boutiques, c'est 6 ateliers de production et de vente. Donc, dans 6 spécialités différentes. Les spécialités reflètent le savoir-faire local, très ancien, dans plusieurs dans les spécialités telles que le tissage berbère, le tissage bédouin, la bijouterie traditionnelle, la marquinerie traditionnelle, le travail de chaussures et babouches. Avec ça, on a essayé aussi de créer un espace pour l'exposition qu'on a appelé salle de patrimoine. Cette salle présente des articles de l'artisanat et beaucoup d'outils de travail agricole très anciens, d'autres articles comme les plantes aromatiques et médicinales et d'autres choses qui sont présentées dans cette salle. Bien sûr, cette maison a été conçue et mise en place pour aider les artisans et les familles qui ont un savoir-faire très ancien dans l'artisanat pour développer ce secteur dans la région et donner la possibilité de vendre ces produits dans les marchés locaux, régionaux, nationaux et pourquoi pas à l'échelle internationale. Les artisans et les artisanes, on les a fait bénéficier des cycles de formation dans plusieurs thèmes comme le design, d'autres thèmes pour améliorer la qualité des produits. Vu la demande qu'on a eue de la part de plusieurs artisans et artisanes, l'Office national de l'artisanat a créé une deuxième tranche, qui groupe 12 ateliers qui vont ouvrir bientôt. Voilà l'historique de la maison. Cette maison a été cofinancée par le conseil régional de Medellin, l'ambassade de France, le département de l'Hérault à travers le ministère des Affaires étrangères et une compagnie canadienne qui s'appelle Transat et bien sûr l'association pour le développement durable à Benikhdej qui gère cette maison et qui a participé à l'exécution et à la réalisation de cette maison depuis sa création. Bien sûr, il y a souvent des passages de touristes. Elle est affichée maintenant dans un site qui sera ouvert bientôt. De bouche à l'oreille, il y a beaucoup des agences de voyage qui connaissent déjà cette maison et qui font faire passer leurs caravanes et leurs touristes qui viennent de temps à autre visiter cette maison et acheter les produits qui sont fabriqués sur le lieu. Voilà en bref la présentation de cette maison qui est devenue en quelque sorte une maison pilote à l'échelle même nationale. Comme vous voyez, il a une architecture purement typique. Il n'y a que la pierre de voûte, des arcades. Donc on a essayé de respecter l'architecture locale, le bâti local, et bien intégré dans son milieu et dans son environnement. J'espère que les gens prennent conscience et viennent pour aider les artisans et les artisanes qui sont sur place. De temps à autre, il y a un manque c'est-à-dire la commercialisation devient parfois réduite vu surtout ces dernières années vu les troubles qu'a connu le pays après la révolution, mais j'ai beaucoup d'espoir que ça redémarre et que ces artisans vont voir peut-être prochainement un nombre important de visiteurs, qu'ils soient tunisiens ou étrangers. Et merci.